Bon, j'attends, c'est bon. Allez, salut à tous, à toutes, et bienvenue dans ce 28e épisode du Let's Play de Assassin's Creed 2. Cette fois-ci, on est à Florence. On est là pour poursuivre un moine qui nous a piqué la pomme d'Eden. Mais en même temps, il a mis à feu et à sang Florence. Donc du coup, on est là pour remettre de l'ordre dans la ville de Florence, éliminer le moine et récupérer la pomme d'Eden. Il y a quelques semaines, cet homme, autrefois ennemi de tous. Ce quartier dont le nom signifie littéralement situé sur le rive de l'Arno est l'un des plus vieux de la ville. S'il est essentiellement peuplé d'artisans, la communauté religieuse y est elle aussi fort bien représentée par le monastère de l'église Santa Spirito. Les Médicis achetèrent le palais Epiti qui est relié au palais de la Seigneurie et aux offices grâce à un ensemble de passages secrets dont l'un traversait le niveau supérieur de Ponte Vecchio. Il s'agissait d'un investissement judicieux tout au long de la Renaissance. Nombreux furent ceux qui voulurent attenter à la vie des membres de la famille patricienne. Soudainement, Fernand. Ah, la pomme. Pas seulement. Ce n'est pas la cité qui l'a ensorcelée, mais ses chefs. Ceux qui ont de l'influence. Aujourd'hui, ils exécutent ses volontés, tyrannisent les citoyens. Le peuple se comporte comme s'il n'avait pas son mot à dire. Ezio, le peuple remet rarement en question l'ordre établi, et c'est à nous, assassins, qu'il incombe de lui ouvrir les yeux. C'est bien l'emblème des Borgia que je vois sur ces cadavres. Oui. L'Espagnol continue d'envoyer ses soldats à Florence, et Florence continue de les lui renvoyer, le plus souvent en petits morceaux. Alors lui aussi sait que la pomme est ici. Voilà qui n'arrange pas nos affaires. Avec moi. Excusez-moi, je vais pas aller pitié. Ah ouais, c'est pour ça que j'ai un peu de... D'accord. Attends, je vais le faire parce que j'ai envie de... La Tuez-le! Le voilà! Vite! Arrêtez-le! C'est le moment qu'Adélie et elle a besoin d'être protégée. Il sait rien faire tout seul. Comment peut-on infliger ça à un être humain? Il est mieux de se tenir tranquille. Je suis sûr que les gens qui connaissent. Hé, d'accord, je veux vraiment revenir avec vous. Synchronisation. Je sais même plus combien il nous en manque encore de synchronisation à trouver, mais je crois qu'on doit avoir beaucoup. Il semble. Ah si, c'est quand même vrai. Ouais. Je sais pas. Un mercenaire ? Le voilà ! Là-bas ! Il ne peut pas fuir ! Allez, c'est bien ! Continuez ! Oula, ouais. Et voilà, attaque. Bim, allez. Et bim. Bim! En avant. Quelle horreur! Et non. Je sais pas où il faut aller. Oh là là. Attends. Ah, mais il y en a plein de points d'observation. D'accord. Les 6, ils sont là.
Ok, eh ben on va les faire. Voilà. Bon dia, comment ça? Ok. Quoi? Rien à faire là. Le voilà. C'est impossible. J'ai perdu sa trace. Là, arrêtez-le. Plus vite. Il va nous semer. Hop. Voilà, on fait ça. Comme ça, on est tranquille. Comme ça, on aura fait tous les points d'observation. J'ai oublié qu'il y avait un quartier encore en plus. Là. J'amène un peu ailleurs, donc je dois l'amener au départ. Je peux soigner tous les malades. Là. Au moins comme ça c'est fait. Hein. Synchronisation. Ah, attends, on va là-bas. C'est à l'autre bout, carrément, mais bon. Tout est proposé de les faire maintenant. Allez, Macavieri. Suis-moi. On va voir si t'es capable, monsieur. Hop là. Tac, là c'est bon. On n'a pas eu trop de difficultés, mine de rien, dans la première partie. Première vidéo, dans celle-là, non, là je fais traîner un peu. Hop là. Par là. Je me demande bien qui a pu faire ça. Qui que tu sois, repose en paix. Non, pas par là. Là. Moi, est-ce qu'il monte pas en même temps en haut ? Ça sonne bien, j'ai un peu. Arrêtez-vous. Des fois, j'amène. Cavill, il va mourir, c'est bon. Si je l'amène pas, Cavill, il va mourir. Allez, il reste plus que deux, il faut qu'il... Trois, il faut qu'il tienne. Ne soyez pas timide, je suis là pour vous soigner. La misère, la violence. Et le crime se sont emparés de notre monde. Allons-y. Repose en paix. Un instant. J'ai l'impression que je le connais. J'en suis ici. Continuez! On va le voir. Miséricordia! C'est pas qui tu es. Ne me tuez pas! Ah merde, il est mort.
Ouais, j'aurais dû l'amener plus rapidement. J'aurais peut-être dû l'amener plus rapidement, ouais, mais bon, je voulais faire freiner un peu. Je voulais vraiment terminer les points d'observation, ça c'est vraiment un truc. Ok, j'y tiens, par contre ça va être chiant parce qu'il faudra peut-être recommencer, non? Ah non, ça va. Oh non, tranquille. Ok, nickel. Allez, on y va. Ok, ça m'a compté les... Ça m'a compté les synchronisations, donc c'est bon. Allez. Je le vois, là-bas. Laissez-moi partir. Je n'ai rien fait de mal. Hop là, allez. Par ici. J'ai déjà vu ça. Je ne resterai pas ici une minute de plus. Les brutes. Hop là, allez. Soit qu'il est là, reste-en. Livraison de toute façon. Un instant. Hop, on va passer par là. Là-bas, il s'enfuit. Arrêtez-le. Hop là. Ouh. Joli. Attendez. Allez, monte. Là, allez, il restera plus que deux derniers points à avoir. Ce sera cool. Ce sera cool de les avoir. On pourra dire qu'on aura fini le jeu quasiment à fond. J'ai choisi la prochaine cible. Ouais. Venez. Hop là, allez, on y va. Il reste pas grand chose dans ma cavité. Ça ne va pas, non?
Où aviez-vous la tête? Ne bougez plus. Dans la lune? Dans les nuages? En tout cas, vous n'avez pas les pieds sur Terre. Il serait mieux de se tenir tranquille. C'est là-bas! Ne le laissez pas s'enfuir! D'accord. On attend. Allez. Ça c'est bon. Non. Il est fou. Il va mourir. C'est fou. Je pensais que j'allais pas réussir, tu vois. Non, punaise. Je pensais qu'il allait prendre le poteau. Et bah là, il aurait pu prendre le poteau. Hop là. Ouais, c'est bon. En plus, on est au bon endroit. Nickel. Allez. Ouais, c'est bon. C'est ça qui est bon. J'ai la barbe qui me gratte. C'est fou ça. Comment c'est fou qu'une barbe ça pousse vite à un quand même. Ça pousse à moi. Il n'y a rien. Bon. J'aurais dû normalement le faire tout le confinement, mais bon, j'ai une exception. Voilà. Restez ici. Mais non, mais pourquoi il y va? D'accord.
on ne bouge plus. En avant. Juste bien, par ici. Ne bougez pas. Avec tous ces étrangers qui vont et qui viennent, je le connais. Ils sont fous. Je le connais, j'en suis sûr. Allez. Je ne prends pas au coup, c'est me concentrer. Allez. Hop, dans les côtes, dans la tête, bim. Et au bignol d'abord. Et si elle est la deuxième personne, n'hésite pas, installe-toi, fais-toi plaisir. N'hésite pas à parler dans le commentaire, à me poser des questions. Je te répondrai avec plaisir, allez. Hop là. Allez, show time. Show. Voilà, ça, bim, dans les bras, dans la bouche, allez. Voilà, bim, allez, ça c'est fait. Ah, il y en a deux qui ont fui. Allez, viens. Il reste plus que deux. Allez, je dois bien avoir les morts. Je commence à m'ennuyer. Oula. Allons. C'est comme ça. Bon. Venteur. Je... toujours là de la paix. Ah, le palais Pitti. Lucas Pitti fut construire ce palais pour faire étalage de sa richesse, mais il fit faillite à sa mort en 1472. La construction n'était toujours pas achevée. L'architecture austère du style romain rappelle les arches de la pierre anguleuse des anciens aqueducs impériaux que l'on retrouve à la périphérie de Rome. Ok, tout ce qu'on en sort. Là, ça c'est bon. À mon avis, faut monter là-haut, non? Désynchronisé. Bon, c'est pas grave, de toute façon, on est pas loin. Et il ne reste que celui-là à faire. Donc. Désynchronisé parce que j'ai laissé mon partenaire loin. Voilà. Débile. Mais bon, c'est pas grave, on va le faire. C'est par là. Je crois qu'il était pas mort en plus. Bon, ça m'énervait par contre. Là, franchement, ils abusent. J'étais sur le dessus du truc, donc ils auraient pu. Ici, allons-y. Allez, vive. En avant, un assaut direct serait trop risqué. Tu as raison. Mais alors, que proposes-tu? Mis à part les chefs de la cité, les habitants ont toutes leurs facultés, c'est exact? Oui. Donc, ils ne soutiennent pas Savonarola par choix, mais parce qu'ils y sont contraints. Oui. Nous allons utiliser la situation à notre avantage. En réduisant ses lieutenants au silence et en provoquant une révolte, nous détournerons son attention.
et je pourrai passer à l'acte. Ouais, révolte, révolution. Et à Paola. Ils organiseront le soulèvement pendant que toi, tu libéreras les quartiers. Ça devrait marcher. Je vais m'occuper de ses complices. Révolution, révolution. Oula. Révolution. Jérôme Savonarole. Ce frère de, ouais, de Ferrara. Et parce que là, je rappelle que c'est le deuxième DLC. Faites s'entraîner un peu pour utiliser et machin. Ok. Et autre pas. Révolution. Ah. Ah, attends. Hop, ah, attendez. Ah, mon arrêt. Ah. Voilà. C'est bon? Renoncer à la facilité et au bien matériel, la rédemption passe par les flammes. D'accord. Assassiner l'artisan voûté. Attends, il faut trouver un chemin pour y accéder. Je savais pas ce que tu faisais. Je suis seul responsable de mes actes. En doutant de moi, je l'ai laissé me contrôler. Je suis désolé. Pas autant que moi. Tout cela est bien triste. Mais je n'avais pas le choix. Requiescat in pace. Allez ! Pas de risque inutile. Attendez le bon moment, d'accord ? On va faire ça, mais... Je vous ai appris. Une petite danse. Non. Par l'arrière. Débordez-le. Si on coopère, il n'a aucune chance. Faut que dalle. Avance, surprise. C'est trop fou, je m'en fous. Hé, gros porc. Voilà, tac. Pas fatigué, pas plus qu'inutile. Attendez le bon moment, d'accord? Allez, mon frère, restez calme. Allez. Viens me chercher. Ah, c'est bon. Ouais.
Hop, allez, tac. C'est sympa. On va essayer de finir à la main. Et voilà, ça c'est fait. Ok, ouais, mais par contre, il faut que je trouve un soigneur d'abord. Et après, ouais, c'est partout, hein, évidemment. Et merde! Mais non! Mais non, je fais n'importe quoi! Aïe aïe aïe! Il faut le médecin, c'est l'hôpital. Et quand même, quand j'étais petit, je n'avais pas beaucoup d'amis, sur l'une, on fait du bon. Avoir les yeux un peu plus clairs, je rêvais d'être un enfant blanc, j'en voulais un peu à mon père. C'est vrai, je suis un étranger, on me l'a assez répété, j'ai les cheveux couleur gomme. Je perds la tête, ça y est. J'ai tellement plus quoi raconter à la fin que je perds la tête. Là. Ne soyez pas timide, approchez. T'es un neuf dessus, gros. Ça devrait aller mieux maintenant. Allez. Et pas d'imprudence. On va peut-être pas tous les tuer ce soir. Hein. Allez, je veux que je biffe plus de fois. C'est là. Personne n'est autorisé à passer. Est-ce que je me suis bien fait comprendre ? Tant que vous refuserez de vous soumettre à Savonarola, notre prophète, je ne laisserai personne franchir ce pont. Éliminez les condamnateurs qui gardent le pont Vecchio. Je vous entends vous plaindre tous autant que vous êtes. Vous êtes attendu quelque part, vous avez affaire, des obligations à remplir. Ah, vous n'avez qu'une seule obligation, vous soumettre. Pourquoi nous résister? Pourquoi nous résister? Cette cité est la nôtre. Les Medici, que vous respectiez tant, vous ont abandonné. Ils ont fui en exil pour mieux s'apitoyer sur leur sort. Ouais. Savonarola veut seulement ce qu'il y a de mieux pour vous. Une cité débarrassée du vice et de la corruption. Ah, je vois que c'est unis dans la foi. Le Seigneur a créé tous les hommes égaux. Il doit en être ainsi. Saisissez-le. Allez. Oula. J'en ai marre, je me pousse. Faut pas viser un peu ses amis, non? Voilà. Allez.
Voilà, mais punaise, pour l'avoir lu, ça a été chaud. Tu portes l'habit des nobles. Comment Savonarola t'a-t-il envoûté? La richesse et le pouvoir n'apportent aucune satisfaction. Je voulais toujours plus. Et en définitive, tu n'as plus rien. Moins. Nécessité fait loi, il faut savoir l'accepter. Requiescat in pace. C'est la volonté divine. Et je vais pouvoir passer. Les intrus, je les tue. Ok, attends, mais il y a de l'eau. Voilà, c'est fait. Prochaine cible. Il reste encore 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, moi 6. Alors là-bas. Si, ça alors qu'il reste 7, c'est pas grave. Ne faites que passer, vous dérangez pas pour moi, je vous laisse combattre. Vaut mieux, je pense. Maintenant, vous avez à escalader certains bâtiments de la ville. Cette activité n'est pas illégale en ce moment. Pardon. N'approchez pas, créature du diable. Non. Ah, faut pas t'entendre, ça. Ce que j'adore, c'est qu'il y a des Sodex bots, mais les gens ils en ont rien à carrer, ils sont là, ils n'ont rien à y faire. Un combat. Tiens. C'est juste le 150ème depuis le début de la semaine. C'est comme nous quand on arrive avec la veille avec LOL, on voyait les gamins 3ème se battre, on fait, bah tiens, c'est pas de moi à thème. C'est leur manière de dire bonjour. Voilà. C'est ce qu'on a imaginé quoi. Parce que, vu que le 3ème et 4ème dans notre lycée se battaient quasiment une fois par semaine. Alors que nous les gars, on s'en battait les steaks, littéralement. Mais c'est vrai qu'il y a toujours un fait qui m'a toujours marqué dans le lycée que nous étions. C'était sur la dernière année, c'était pour la réforme du bac. Pour les lycées professionnels surtout je pense, et non professionnels. Je trouve plus le nom. Général, voilà. Et en fin de compte, alors que la loi était passée, que tous les lycées avaient abandonné les blocages, même dans ma ville, quand je vis, il y a quand même un gros lycée qui, à chaque fois, est en premier lieu pour les blocages, même eux, ils avaient arrêté. Autant simple, les amis. Vous voulez être soigné? Dans ce cas, vous devez d'abord vous soumettre à notre nouveau souverain. Et c'est les troisièmes qui sont venus nous voir dans le bus et nous regarder. C'est, dites, vous êtes du lycée, vous? Ça vous dit de manifester, venez, on va bloquer le lycée, tout, on bloque le lycée, on manifeste, deux se regardent, on dit, deux se tous regarder, c'est une petite norme, mais ça, en fait, ça sert à rien, donc c'est une dernière année au lycée, dans deux mois, c'est barre. Et puis, on est au sport, donc c'est sûr, quand on est arrivé, ben nous, quand le bus nous a déposé, on a attendu 5 minutes, et après on s'est barré, là, on s'est cassé au stade, parce qu'on avait autorisation pour aller au stade, nous. Donc du coup, vu qu'on allait au stade pour faire le sport, bah voilà. Donc, je crois qu'on est allé au stade, je sais plus. Mais du coup, on n'est pas rentré à lycée. 10 heures quand on est rentré,
On a vu, il n'y avait plus aucune barricade, il n'y avait plus rien. Ah, j'étais repéré. Ouais, c'est pas été concentré. C'est pas été concentré. Donc voilà, donc c'était assez. Ouais, c'est toujours une anecdote marrante, j'aime bien raconter celle-là. C'était magnifique. C'est les troisièmes qui sont venus nous voir pour dire ouais, ça vous dit de vocaliser avec nous. Frère, t'es un troisième. T'as pas le droit déjà d'être de nous parler déjà, je crois. Je sais même pas si t'as le droit de venir nous voir. Mais ils avaient pas le droit de bloquer. Ça c'était marrant, c'était assez marrant. Quand même. Parce que nous, du coup, on est rentré à 10h, on s'est contrôlé carrément. Vous êtes des lecteurs, vous, on était en sport, nous. Ah bon? Bah, vous voulez nous demander à Mme Tortoseur, hein, notre prof de sport, hein, elle vous le prouve pas qu'on était au sport. Vous dites, tenez, regardez. D'accord, donc il faut avoir par là, oh putain. Attends, si je tente le pistolet. J'ai toujours un problème pour viser. Et nous avons besoin d'être sauvés. Avant que Savonarola ne vienne à nous, nous étions en proie au péché, tourmentés, luxure, orgueil, avarice. Dois-je continuer? Nous ne pensions qu'au bien matériel et au plaisir de la chair. Nous esquivions. D'accord. Et voilà. C'est fait. Tu as versé le sang d'un guérisseur. Non. J'ai versé le sang d'un tyran. J'ai cru avoir droit de vie et de mort sur mes semblables. J'ai cru pouvoir décider de qui passerait dans l'autre monde. Je crois que je me suis laissé endormir. Ton sommeil sera éternel. Je puis t'assurer que tu ne seras pas mort en vain. Requiescat in pace. C'est tellement saoulé, c'est bon, allez. Tu sais, tu vas rester planté là. Je déteste ces moments-là. Est-ce que je fais le premier pas? C'est le premier pas, hein, ou j'attends? Aucune endurance. Tu manques d'entraînement. Alors, tu attends l'autorisation de ton chef? Allez, viens. Cette fois-ci... Je n'aime pas qu'on me fasse attendre. Viens me chercher. Finis. Là. Tu n'as aucune chance. Toi, tu commences à m'ennuyer. Ah ça, c'est bon. Eh bien, soit. C'est un con. Et voilà. Révolution. Révolution. C'est le mec qui fait révolution. Quand on regarde, révolution. Allez, prochaine cible. On y va. Putain, j'en ai déjà utilisé beaucoup. Il y a 3 vies déjà. Enfin, j'ai des là-dessus là.
devais justement partir. Ouais, c'est ça, casse-toi. Ah putain, non, il descend. Ah. Allez, là c'est bon, ouais, ouais, par là je peux passer. Putain, mais barrez-vous, c'est la nuit, dormez, bordel. Non, c'est pas là. Je sais pas ce que les amis, c'est la dernière séquence qu'on va faire pour ce soir. On a pas mal avancé, mine de rien, on a fait quelques petits passages. Bon, après, on a un petit peu galéré, mais voilà, c'est moi qui ai décidé. Oula, oula. Là, on va passer par là. Hop, allez, descend. Un peu d'action. Pas trop tôt. Savonarola m'avait prévenu que certains contesteraient notre autorité. J'ai donc conçu ce piège afin de neutraliser quiconque serait assez stupide pour jouer les héros. C'est à la fois divertissant et efficace. Ouais, descendre dans l'arène, on va voir. Que la fête commence. Assassiner capitaine Nagard. Accepter ou refuser. Bah, si on refuse, ça fait quoi? Non, pas avancer. Ok. Je me demande combien de temps on va arrêter. Il y a quelques jours, un autre a réussi l'exploit de conquérir 30 de mes hommes. Et puis, le pauvre a fini par s'incliner. Intéressant. Alors, chaque jour, immanquablement, un autre comme toi se présente. Des anticonformistes, des contents, des révolutionnaires, des rebelles. J'ai tout entendu. Tout ça n'est qu'un prétexte. J'ai manqué les couteaux. Champion des opprimés. Un héros venu libérer la cité. Tu veux ouvrir le bal? Inaugurer une nouvelle ère. Un homme se bat pour la justice, la liberté. Hein? Ce sont là les mensonges que tu racontes. Car il s'agit bien de cela. Ce sont des mensonges. Quoi que vous prétendiez, vous êtes tous ici pour la même raison, motivés par le même égoïsme. Vous cherchez quelque chose. Allez, bim. La célébrité. Une récompense. Spirituelle pour les deux. Toi, que cherches-tu? Pourtant, on s'est vu plutôt pas mal avec le couteau. Bon. Un prétendant est conduit. Laisse-moi deviner, tu crains pour ta propre sécurité. Pour quelle autre raison porterais-tu une capuche? Pourquoi cacher ton visage aux yeux du monde et à toi-même? Je vois que tu n'écoutes pas. Ouais. Les paroles de fond excitées la fureur. Ah, c'est. Ah, c'est bien beau, tous les bons discours et tout, mais bon. Non, n'insiste pas. Maintenant, il est cher pour l'insolent. Et voilà. Alors, c'est ce que j'étais. Un homme orgueilleux. Et cruel. Non, ouais. Tu étais sous l'emprise de Savonarola. Je crois que j'ai simplement goûté au pouvoir. Ça va, Renaud, là. Que je me suis laissé enivrer. Voilà qui était le même fille, là. Je pouvais. Que Dieu t'entende. J'ai dit n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est? Mais c'était le seul moyen. Oui, bien sûr. La moyen de discussion n'existe pas avec les auditoires. C'est l'assassinat pur et dur. Attends. Allez, c'est vrai que ça. Ah,
Allez, bim bim. Bah vous, ça c'est bon ça. Allez. Voilà. Là. Aucune endurance. Allez. Fais ça tous les matins pour déjeuner. Plus vite. Ouf, ça esquive. L'esquive. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on va s'arrêter là. On a fait quasiment la moitié de cette séquence, je pense. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire sur la vidéo, des pouces bleus si vous aimez. Quant à moi, je vous donne rendez-vous du coup pour les lives demain en début d'après-midi vers 14h pour du Neverwinter. Ensuite, on enchaînera à 17h30 pour du Tezo sur YouTube cette fois-ci. Pour revenir vers les entours de 21h, 21h30 sur Twitch pour du WoW. Ensuite, sur Assassin's Creed 2, où là, je pense, on finira le jeu. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous souhaite à tous une très bonne nuit. Prenez soin de vous, très important. Faites attention à votre famille. Et voilà, restez chez vous encore. Le confinement n'est pas fini. Peut-être qu'il va durer, peut-être qu'il va pas durer, on ne sait pas. Mais prenez soin de vous, les amis, c'est le plus important. Allez, c'était JPOMACITY, je vous souhaite à tous une très bonne nuit. Salut, ciao.